Allez, au deuxième point. Allez, pierre, feuille, ciseaux. J'ai gagné. Allez, c'est bon, tu dois me donner de l'argent de poche maintenant. T'as triché, non, t'as triché. Allez, non. Non, ça fait déjà 4 fois qu'on recommence, c'est bon là. Je vais te donner de l'argent de poche. Mais bien sûr que si, c'était ça le pari. Non, allez, on recommence. Mais non, tu vas me donner mon argent de poche et c'est bon, j'ai gagné 4 fois. Silence. Vous êtes fait comme des rats. C'est qui? Faut tout pas lire. Non. Personne. C'est qui? Personne. Personne ne bougera d'ici. Mais comment ça? Mais vous êtes qui, madame? Personne ne bougera d'ici. Mais comment vous êtes rentrée ici? Ne vous inquiétez pas. Je sais rentrer absolument partout. Toi, viens ici. Viens ici. Mais qu'est-ce que t'as de... Écoute-moi bien. Oui, quoi? Écoute-moi bien. Quand je vais te toucher le front comme ça, tu vas faire absolument tout ce que je te demande. Ça va pas à la tête. Et toi aussi. Quoi? Je te laisse pas faire des roses. Allez, non, vous faites peur là, madame. Viens avec moi. Non, Regarde-moi. Oui, je vous regarde. Regarde-moi. Et tu vas suivre tous mes conseils. À partir de maintenant, tu vas m'obéir. Mais qu'est-ce que vous avez fait à Lily Rose? Elle est immobile. Elle ne peut plus bouger. Maintenant, ils vont m'obéir et toi aussi, attention. Non, tu te... Quand je vais vous retoucher le front, vous allez m'obéir de nouveau. Et vous allez piéger Esteban et Valentin. Vous allez leur faire la misère. Hein? Pour qu'ils m'obéissent et qu'ils aillent dans la forêt maudite. Hop! Qu'est-ce que je dois faire pour vous? Tu vas piéger Esteban et Valentin. Où ça? Quand ils vont revenir, tu vas te faire passer pour Lily Rose et tu vas leur demander d'aller dans la forêt maudite pour me retrouver. C'est d'accord? Oui. Maintenant à toi. Hop! Tu vas faire exactement comme Lily Ils Rose. Sont où? Où suis-je? Allez, à la Ils prochaine, Messi. Allez, bouge de là. Ah, moi, je dois partir. Bougez! Il faut aller chercher Esteban et Valentin. Ils sont où? Pour les accompagner dans la forêt maudite. Allez. On y va. En avant. Obéis à la vieille dame. Obéis à la vieille dame. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, rien, t'inquiète pas, on est juste viens en mode. Viens ici. On a quelque chose à te faire faire, Valentin. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas aller dans la forêt maudite. Valentin, obéir à la vieille dame. Allez, on y va. Il est parti. Esteban, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous êtes tous fous. Chut, je suis en train de... J'étais en train de dormir, j'étais en train de faire un rêve trop bien où j'étais dans un jeu bateau pirate avec... Enfin bref, ça t'intéresse pas. On s'en fiche de ça, vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Peppa Pink et Lily Rose, ils sont complètement fous. Je sais pas ce qu'ils ont, ils m'ont dit que je devais aller dans la forêt. Faut qu'on fasse quelque chose. Mais je comprends rien là, qu'est-ce que tu racontes? Peppa Pink et Lily Rose qui sont devenus fous. Mais tout le monde est fou dans cette famille, tu devrais le savoir. Non mais gars, à mon avis, ils sont en train de jouer tranquillement. Il y a aucun problème, ils sont en haut, c'est ça? Oui, c'est un autre. Je les entends. Mais ils sont en train de jouer, qu'est-ce que tu racontes? La sorcière, obéir à la vieille dame. Oh, ça va. Ça va ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? La forêt magique, la forêt maudite. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez à la forêt maudite. Qu'est-ce que tu leur as fait? Viens ici. J'ai rien fait. Viens ici. Ok, c'est bon, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me raconter ce qui s'est passé là. C'est pas normal ça. Ok. Oh là là, les amis. Normalement ils sont pas censés être aussi fous hein. Écoute, je sais qu'ils sont un peu zinzin, mais là ils sont complètement tarés, désolé mais c'est le mot. Oui. Bah ce qui s'est passé c'est juste je suis allé les voir parce qu'ils faisaient du bruit. Oui. Et juste après ils m'ont dit va dans la forêt Valentin. Et ils avaient ce comportement et... À mon avis, il y a quelqu'un qui les contrôle. Bah oui. Il faut que je sache ce qui s'est passé, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui les a contrôlés d'une certaine manière. Il y a quelqu'un qui leur a jeté un sort, qui leur a fait manger ou boire une potion ou un truc maudit. Bon, écoute,
Je vais aller les voir, on va rentrer dans leur jeu, d'accord? Okay. Et on va essayer de savoir ce qui s'est passé. Donc on va dans la forêt, c'est ça? Mais non, on va les voir d'abord. Je vais pas aller dans la forêt. C'est vrai que c'est bizarre, ils nous disent d'aller dans une forêt. Mais pourquoi aller dans une forêt? C'est quoi l'intérêt? Surtout que là, il fait nuit. Bon, écoute, on rentre dans leur jeu. Ah! Qu'est-ce que tu fais, oh? Vous êtes au piège! Vous êtes pris au piège! Dans la forêt! Toi aussi! Bon, non, t'es là. Oui, oui, on va aller dans la forêt! Allez! Stop, écoutez! Allez, viens! Ah, mais oui, trop bien! La forêt! On va aller dans. Chut! Allez, on va aller dans la forêt, ça va être. Allez, on y va! Plus vite que ça! D'abord, avant, pourquoi il faut aller dans la forêt? Parce que la vieille dame, la vieille dame l'a dit, mais c'est oui. Qui la vieille dame? Je la connais pas, moi. Bah nous non plus. Allez, tout de suite. C'est qui la vieille dame? C'est notre maître. Votre maître, la vieille dame. Oui, et, on doit lui obéir, et tout de suite. Ah, mais attends, c'est quand la dernière fois que vous l'avez vue, la vieille dame? Il y a une heure. Elle ressemblait à quoi? Moi, je l'adore. Elle était vieille avec les cheveux blancs. Elle était plus belle que toi, en tout cas. Et une cape noire. Elle vous a jeté un sort, non? Non, un sort, n'importe quoi. T'essayes de nous avoir. Non, ne vous énervez pas. Valentin, aide-moi. Reste avec moi. Les amis, je vais me cacher en bas. Ah, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui est rentré chez nous. Il y a une folle qui est rentrée chez nous, une vieille dame. Elle les a piégés, c'est sûr. Elle leur a jeté un sort ou, à mon avis, elle leur a pas fait manger quelque chose. Elle a dû leur jeter un sort. Et maintenant, ils veulent tous nous emmener dans la forêt. Ils veulent tous nous piéger. Sauf que, les amis, la forêt qui est à côté de chez nous, faut jamais y aller la nuit. C'est le pire piège qui puisse arriver. Dans cette forêt, il y a des loups. Et surtout, il y a des sorcières. Et il y a des vieilles dames comme ça qui veulent qu'on aille dans la forêt avec elles pour récupérer nos yeux, pour récupérer nos dents. Tout ça pour faire des potions. Bon, écoutez, je vais pas me laisser avoir. Oui, mais non, mais là, ils vont emmener Valentin si je le laisse avec eux. Bon, il faut que je les fasse redevenir normaux. Vous êtes là? Ah, Valentin. Ah, ça va, t'es là. Ah, j'ai cru plus jamais te revoir. Bon, il faut qu'on trouve une stratégie pour qu'ils redeviennent normaux. Parce que là, ça peut pas durer comme ça. Si ça continue, c'est eux qui vont aller dans la forêt et c'est eux qui vont se faire utiliser par la vieille dame. C'est pas mon problème. Ils se débrouillent. Mais ils t'ont fait quoi? Bah, ils m'ont fait peur, ils ont voulu que j'aille dans cette forêt et j'ai pas envie d'aller dans la forêt. Bon, écoute, je ne vois qu'une solution. Il faut leur donner le sort anti-potion. C'est quoi ce sort anti-potion? C'est la sorcière qui m'a donné ça. C'est un sort. Enfin, c'est pas un sort, c'est une potion. On le pchit-pchit sur les gens. Et après, normalement, ils redeviennent normaux. Bon, écoutez, les amis, c'est parti. J'espère qu'il nous reste un peu de cette potion magique. Vite. Par contre, toi, tu vas les tenir pendant que moi, je leur mets de la potion dessus, ok? Bon, les amis, c'est notre dernière chance. Sinon, ils vont rester comme... Oh, c'est bon. Oh, elle est juste là. Trop bien. Il en reste, oui. Je dois leur faire un petit dessus comme ça. Okay. Donc toi, vas-y, fais diversion. Tu vas les voir. Tu leur dis qu'on va aller dans la forêt. Ouais. Et ensuite, moi, je les pchit. Okay. Bon, les amis, c'est notre dernière chance. Si ça marche pas, ils vont rester comme ça peut-être toute leur vie. Ah, bah, je reviens pour aller dans la forêt. Oui, on espère que vous allez nous obéir. Oui, je reviens pour aller dans la forêt. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Vous avez changé d'avis? Oui, mais finalement, j'adore la chanson. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est bon? Tu retrouves tes esprits? Qu'est-ce qui s'est passé? La vieille dame, ça te dit quelque chose? La vieille dame, oui, au bâton. La vieille dame, bah, elle est où? Elle était là tout à l'heure. Ça va? Ziros, lève-toi. Valentin, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous vouliez qu'on aille dans une forêt? Ah! Et c'est une vieille dame qui vous aurait dit ça, apparemment. Oui. C'est la dame qui est rentrée, qui nous a touché le front! Oui, avec son bâton, là, je sais pas, elle disait des formules magiques. Oui, elle fait super peur! Oh, purée, c'est à cause d'elle! C'était sombre tout d'un coup, là.
Et puis c'était dans le brouillard. Bon, là, vous vous êtes bien fait avoir, hein, ouais. Au lieu de la piéger directement. Mais comment t'as fait, bon, pour nous remettre? T'inquiète, bah, j'ai utilisé la potion que la sorcière m'a donnée. Ça, ça règle tous les problèmes, les amis. Ouais. C'est vraiment incroyable. Oh là, j'en ai mis sur la caméra. Ouais, je vais arrêter d'en mettre. Bon, les amis, nous on va s'arrêter là et on va chercher cette vieille dame. À mon avis, elle est retournée dans sa forêt. Mais si elle revient, on va essayer de la piéger. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a quand même plu. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, oui, et surtout allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Ou cliquez sur la vidéo qui apparaît juste là. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.